Bonjour, dans cette première vidéo sur les alcanes et les cycloalcanes, les alcanes cycliques, on va présenter cette famille et puis donner un premier aperçu des règles de nomenclature qui permettent de nommer tous ces composés organiques. Donc un alcane, c'est une espèce qui a pour formule brute CnH2n plus 2, où n est le nombre de carbone. Donc par exemple, si n égale 1, eh bien, on a C1H, et puis 2 fois 1, 2 plus 2, 4. On a CH4, c'est la molécule de méthane qu'on a déjà rencontrée et dont on connaît une formule de Lewis où on a simplement un carbone qui est entouré de 4 hydrogènes. Ensuite, si N égale 2, eh bien, c'est C2H, 2 fois 2, 4 plus 2, 6, et ça, c'est la molécule d'éthane. Donc, en formule de Lewis pour la molécule d'éthane, eh bien, on aura donc deux carbones liés entre eux et chacun entouré d'hydrogènes, donc chacun trois hydrogènes, de manière à ce que chaque carbone satisfait bien l'octet. Des molécules de formule brute CnH2n plus 2 de la famille des alcanes, il y en a des milliers. Et l'idée ici, eh bien, c'est que on veut nommer ces molécules de manière assez systématique pour pouvoir les reconnaître. Donc, dans toutes ces vidéos, on va utiliser les règles de IUPAC. Bon, c'est un acronyme anglais pour l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Et en fait, ce sont des chimistes qui se sont regroupés pour donner une nomenclature tout à fait systématique de tous les composés organiques. Donc, c'est des règles qui s'appliquent non seulement aux alcanes, mais aussi à toutes les molécules organiques qu'on peut rencontrer. Donc ces règles sont basées sur le nombre de carbones qui forment la molécule. Donc pour la nomenclature systématique, l'idée en fait a été d'associer un radical qui est lié au nombre d'atomes de carbone. Alors comme on l'a vu précédemment, on a vu l'éthane et le méthane. Donc comme ce sont des alcanes, on va mettre la terminaison ane après le terme du radical. Donc si on avait un carbone, comme on l'a vu précédemment, eh bien on a affaire au méthane. Et on a vu CH4. Ensuite, si on a deux carbones, on a affaire à l'éthane. Et on a vu la molécule C2H6. Maintenant, si on a trois carbones, eh bien, on aura du propane. Donc, c'est de formule brute C3H2N plus 2, donc 2 fois 3, 6 plus 2, 8. Et puis, si on donne une formule topologique, eh bien, voilà, j'ai ceci, 1, 2, 3 carbones, chacun entouré de ces hydrogènes qui n'apparaissent pas sur la formule topologique ici. Pour le butane, maintenant, eh bien, je vais avoir comme formule brute C4H10 et puis une formule topologique à 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Pentane avec 5 carbones, C5H12 et cette formule topologique ici à 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on pourrait continuer hexane, heptane, octane, nonane, décane, etc. pour avoir tous les noms et puis toutes les formules brutes des différentes molécules rencontrées. Il n'y a pas de mystère, ces radicaux, il faut les apprendre par cœur. Associés au nombre de carbone, met, aide, prod, but, pente, parce que ces noms, ces radicaux, vont être utilisés non seulement pour les alcanes, mais toutes les molécules, tous les composés organiques, comme on l'a dit précédemment. Donc ici, j'ai rajouté aussi, bien, pour la dizaine, donc pour 11 atomes de carbone, on aura le 1 décane, donc on met le dec de 10, et puis le 1 de 11 devant, là, dodécane pour 2, et dec pour 10, tridécane, tétradécane, etc. Et pour 20, et bien, ce sera EICO, donc le terme à 20 carbones, et bien, c'est EICOSAN. Donc on va voir comment on peut appliquer ça sur un exemple complexe, qui est le suivant. Alors, pour tout ce qui est les règles de nomenclature, la première règle, la première, c'est d'identifier la chaîne la plus longue. Donc, sur cette molécule ici, eh bien, je vais repasser ici la chaîne qui est la plus longue, qui est comme ça, voilà. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones, je regarde dans mon tableau, 5 carbones, ça correspond à pente, donc je vais avoir comme nom principal, eh bien, un pentane. Donc voilà pour le nom principal. Et puis je m'aperçois en fait que sur ces chaînes qu'on appelle la chaîne principale, eh bien, j'ai quelque chose en plus ici. Alors ce petit quelque chose, c'est une branche supplémentaire. Ici, on a tout simplement un atome de carbone en plus. On a quelque chose qui est un CH3. Et ce CH3, en fait, il n'appartient pas à la chaîne principale. On appelle ça une ramification ou bien un substituant. Et on dira que sur cette chaîne ici à 5 carbones, eh bien on a un substituant, on a une chaîne qui n'est plus linéaire mais substituée.
Alors, comment nommer cette partie-là de la molécule? Eh bien, encore une fois, on n'a que des C et que des H, donc on a quelque chose qui ressemble à un alcane, mais c'est ramifié, donc c'est raccolé à une chaîne principale. Donc, au lieu d'utiliser le terme alcane, eh bien, on utilise le terme alkyle, avec la terminaison ici YL. Donc ici, on a combien de carbone dans cette ramification, dans ce substituant? On a un carbone, un seul carbone. Je regarde dans mon tableau. Un seul carbone ici, ça correspond au radical méth. Donc le substituant que j'ai ici, je vais l'appeler méthyle. Dans la vidéo suivante, on verra comment on va nommer exactement cette molécule. Ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement d'identifier les chaînes principales, de voir quel nom on leur donne, et d'identifier tous les substituants qui sont sur cette chaîne principale, qui sont raccordés à la chaîne principale. Donc sur un exemple maintenant un peu plus complexe, on va essayer d'appliquer ces règles et puis de nommer les différents éléments de la molécule. Donc la première chose à faire, on a dit, c'est d'identifier la chaîne principale. Et la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Donc je regarde, par exemple, j'ai ceci ici. Je pars de ce carbone et puis je continue ma chaîne comme ceci, en voyant bien que cette fois-ci, c'est la plus longue. Donc je peux même numéroter mes carbones pour savoir combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Donc j'ai 7 carbones. 7 carbones, je peux revenir à mon tableau. Ici, 7 carbones, ça correspond à un heptane. Donc je sais que je vais avoir un heptane. Ensuite, je regarde les différents substituants. Donc ici, j'ai un substituant, j'ai 2 carbones. 2 carbones, ça correspond au radical eth. Et comme c'est un substituant ici qui est raccroché à la chaîne principale, je mets la terminaison -yl, YL. Donc j'ai un éthyle. Maintenant de l'autre côté de la molécule, eh bien ici j'ai un seul carbone, radical méth, ramification, terminaison -yl. Et ici, je regarde, eh bien j'ai à nouveau deux carbones, donc j'ai à nouveau un groupement éthyle, un substituant éthyle. Donc voilà pour l'identification ici de la chaîne principale et des différentes substituants de cette molécule. Donc ici, on a exactement la même molécule. Et on va regarder un autre point de vue. Si j'avais en fait indiqué ma chaîne principale, la plus longue, comme ceci. Encore une fois, hein, si je numérote mes carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai encore 7 carbones. Donc j'ai encore 7 carbones, j'ai encore un heptane. Et si je regarde bien en fait, eh bien sur le carbone 2, je vais de la même façon trouver un méthyle. Sur le carbone 3, je vais trouver un éthyle. Et sur le carbone 4, je trouve aussi un éthyle. Donc en fait, ce point de vue ou son point de vue, c'est le même. On a exactement la même chose. Donc pour le nom, on n'aura pas de différence. Maintenant, si je considère comme chaîne principale celle-ci, je pars de ce carbone et je vais de ce côté de manière à avoir la chaîne carbonée la plus longue. Je numérote mes carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc encore une fois, j'en ai 7. Donc encore une fois, j'ai la chaîne la plus longue. Donc j'ai toujours affaire à un heptane ici. Mais qu'est-ce que je vois maintenant? Eh bien, sur le carbone 3, j'ai un substituant qui est celui-ci, qui a 3 carbones, et puis qui est un petit peu plus complexe, qui n'est pas linéaire, hein, en fait, lui-même, il est ramifié. On verra dans une autre vidéo, eh bien, comment on va nommer cette chose-là. Et puis, sur le carbone 4, j'ai encore un groupement éthyle, voilà. Alors, comment choisir la chaîne carbonée la plus longue pour donner le nom de la molécule entre celui-ci et celui-ci? Donc ici, j'ai 3 substituants, tandis qu'ici, j'ai 2 substituants. La règle de l'IUPAC, c'est de prendre la chaîne qui porte le plus grand nombre de substituants. Donc entre celle-ci et celle-ci, eh ben, je choisirai celle du haut. C'est celle-là que je vais privilégier pour donner ensuite le nom de ma molécule. Donc les deux règles que l'on vient de voir pour la nomenclature ici des alcanes, c'est d'abord reconnaître la chaîne carbonée la plus longue. Et ensuite, quand il y a ambiguïté, on choisit la chaîne carbonée qui a le plus grand nombre de substituants. Donc enfin, il nous reste à voir les cycloalcanes. Alors par exemple, ici, on a à nouveau un alcane, on n'a que des C et que des H, mais cette fois-ci, ils forment un cycle, ils sont reliés entre eux.
Donc ici, on a 3 carbones. Donc si j'écris la formule développée de cette molécule, je vais avoir le carbone ici du haut. Pour compléter son octet, il va avoir 2 hydrogènes. Celui-ci aussi va avoir 2 hydrogènes. Et celui-ci aussi va avoir 2 hydrogènes. Donc finalement, la formule brute de cette molécule, ça va être C3H, et je compte le nombre d'hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je n'ai plus du CnH2n plus 2, mais j'ai du CnH2n. Et donc pour les cycloalkanes, la formule brute, cette fois-ci, c'est du CnH2n. Donc ici, on a 3 carbones. 3 carbones, si on regarde dans le tableau, eh bien, c'est du propane. Donc on aura ici du propane. Et comme c'est un cycle, on écrit devant cyclo. De la même façon, sur l'exemple suivant, bon, cette fois-ci c'est un carré, donc cette fois-ci on a 4 carbones, C4, H, et bien 2N, vu que c'est un alcane qui est cyclique, et donc c'est C4H8, et on a affaire à du cyclobutane, parce que pour, quand on a 4 carbones, le radical que l'on doit utiliser, c'est but. Ce nom ici de cette molécule se compose du radical but pour 4 carbones, de la terminaison ane qui nous assure que c'est un alcane, donc que des EC et que des H reliés par des liaisons simples, et le terme cyclo pour nous indiquer que l'ensemble de ces carbones forment un cycle et pas une chaîne linéaire. Et enfin, les deux derniers exemples qu'on rencontre aussi assez souvent, eh bien ceci, ce cycle, il est cette fois-ci à 5 carbones, donc j'ai comme formule brute C5H10, et c'est le cyclopentane. Et enfin, cette molécule extrêmement souvent rencontrée, donc il faut vraiment la connaître, c'est le C6, cette fois-ci H12, donc 6 carbones qui forment un cycle, 6 carbones uniquement liés par des liaisons simples, et ça s'appelle le cyclohexane. Donc voilà pour une introduction aux alcanes et aux cycloalcanes. Et dans la vidéo suivante, eh bien, on va voir les détails de comment nommer, selon les règles de l'IUPAC, l'ensemble de ces molécules.